Fait le tour de l'Iowa 80 sur On The Road, sur la chaîne YouTube, Facebook, Instagram, partout. Je l'ai déjà fait visiter, mais on recommence ça. On se promène à grandeur de ce mythique truck stop de l'Iowa, sorti 284. Ben oui, c'est l'épisode 25. Bienvenue sur la chaîne d'On The Road. J'espère que vous allez bien tout le monde. Je suis très, très content de vous parler avec cette musique. Je ne sais pas si vous l'entendez, là. Des films, des bons films. Ça a été une grosse année 2022 pour On The Road. On a lancé plusieurs projets qui vont aboutir en 2023. Je vais vous en parler dans cet épisode-là, dont le salon de l'emploi du camionnage qui s'en vient dans 4 mois exactement. Ça va vraiment vite. Et ben là, je pense qu'on est complet. En fait, toutes les tables sont complètes. Donc là, on est à bâtir pour que tous les gens soient heureux le 1er avril à La Prairie, au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. On va faire le tour ensemble d'Iowa 80, on va se promener, on va jaser. En fait, c'est juste prendre de vos nouvelles. En fait, c'est moi qui vais vous les donner, mais je prends quand même, j'espère que tout le monde va bien. On a bâti des super belles affaires cette année et je suis super content. Si on commence par le salon de l'emploi, bon, ça on va en discuter un peu. Tout l'aspect aussi graphique d'On The Road, qui s'est vraiment amélioré cette année, qui a pris vraiment son envol. Nos covers de magazines sont sa coche. On est rendu au 82e cover. On essaie de faire plaisir aux gens qui, normalement, ben, ils ne seraient pas sur des covers de magazines. Puis, en toute honnêteté, les magazines, on n'en lit plus bien, bien. C'est tout le temps des piles dans des kiosques, c'est plate. Mais, juste de rendre hommage à ces guides dinosaures, un petit peu. Là, je veux dire, il n'y a plus personne qui achète le séjour, je pense. Là. Fait que, tu sais, les magazines, bon. Je sais pas, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais on en lit moins, on en achète moins, on s'abonne moins. Mais juste de faire des petits covers pour faire plaisir au monde, ça c'est cool en maudit par exemple. Donc ça vient du cœur du côté d'On The Road. Ça c'est le fun, on est rendu à 82 covers. Il y en a quelques-uns qui ont rapport. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas rapport à des camionneurs en tant que tels, mais qui sont des lieux mythiques, tiens, aux États-Unis. On a parlé du Big Texan à Amarillo. On va avoir des covers d'ici, de l'Iowa 80, de certains trucks américains, de podcasters du Québec qui font des podcasts incroyables parce que je ne sais pas à quelle époque, quelle année, quel mois vous allez écouter cet épisode-là, mais du 22 au 27 décembre, ben, on a souligné la part importante de plusieurs podcasters au Québec qui font des podcasts sur la coche. Donc, c'est ça qu'on a fait sur On The Road. Puis, je vous dirais qu'en 2023, on va être pas mal dans la continuité des petites choses qui s'en viennent, mais tu sais, vous savez, moi, je suis sur la route à temps plein. Alors, je développe ça avec d'autres amis. On va nommer des nouvelles personnes après le salon aussi qui vont joindre à nous autres. Tu sais, on va se dire les vraies choses, là. On ne sera pas de bullshit. On n'est pas en compétition avec personne. C'est tard de répéter ça 7, 8, 9 ans plus tard, mais on est obligé de le dire encore parce qu'il y en a qui paniquent. On est un regroupement, puis on a juste du plaisir, puis on est en dehors des chambres à écho qui existent. Puis on est fiers de pouvoir refléter ça. 80 000 abonnés, près de 12 millions à portée de publication. Ça, c'est grâce à vous autres. Puis on est vraiment fiers pendant qu'il y a quelqu'un en robe de chambre avec ses pogs qui sont en train de se promener un peu partout. Donc, c'est spécial des fois. Ouais, c'est ça. Bon. Le gars est en robe de chambre, en boxeur, avec deux pogs. Ah, ouais, on envoie des affaires bizarres. Bref, c'est ça, ça m'a un petit peu fourré, là, qu'est-ce que je parlais? Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, on s'est sorti des chambres à écho habituelles, on a vraiment bâti de quoi de vraiment le fun, puis on n'a pas fini. Donc voilà, c'est vraiment ça qui est le fun. Puis on va aller se promener un peu ensemble, puis on continue cette belle jasette-là.
faisais un recap de mon année 2022, je vous dirais que ça a été, somme toute, assez tranquille. Ça a été le fun, mais j'ai visité moins de places cette année depuis, je vous dirais, la fermeture de la division Reefer chez Transport Saint-Michel, où j'étais depuis quelques années, où j'ai jamais autant trippé de ma vie dans le transport. Honnêtement, je vous le dirais, là, si c'était pas le cas, mais je vous le dis. Puis j'en parlais avec mes anciens collègues. Ce fut une ride incroyable avec mes dispatchs. J'allais partout, mais vraiment partout en Amérique du Nord, de la Californie à Vancouver, de la Nouvelle-Écosse au Texas. Puis c'était du reefer. On va laisser passer le concierge. C'était du reefer que je faisais, donc j'allais partout. Mais 2022, il a fallu que je change un peu. Je ne vous dis pas que je suis malheureux, au contraire, mais il a fallu que je change. Je me suis mis plus dans le dry box. Là, je commence un peu plus des fois à penser à faire du flatbed. Même à mon âge, ça me tente. Dans un passé pas si lointain, je n'avais pas la forme physique pour faire ça. Maintenant, un peu plus. J'ai quand même eu une année où j'ai visité. J'ai fait plus de côte-est, mid-ouest, que de la côte ouest à l'autre bout du monde. J'ai pu découvrir beaucoup le Colorado, beaucoup le Kansas, beaucoup le Missouri, le Texas quelques fois. J'ai réalisé un rêve cette année. Ça, j'en ai tellement parlé. J'ai fait un épisode de vlog. Ça s'est passé dans les débuts de l'année... Les années 70, début des années... en fait, début de l'année 2022, je venais par le dire, où j'ai pu enfin visiter le ranch de la famille Ewing dans Dallas. Et je me suis fait des contacts incroyables dans cet endroit-là. Puis malheureusement, je n'y vais plus dans ce temps-ci. Je vais au Texas, mais je me rends pas quand même à l'autre bout du monde. Donc, il y a eu ça. Puis dans le fond, je vous mentirais peut-être un peu. En fait, je m'en allais vous mentir en disant que ça a été une année tranquille. J'ai quand même, là, je vais en parler un peu plus parce que j'en parlais pas au début parce que ça ne me tentait pas. J'ai frôlé la mort le 27 septembre dernier au Minnesota, Wisconsin, entre State Line, où le camion que j'utilisais a eu un défaut. Selon l'analyse, on ne sait pas trop, sur le Wabasto ou quoi que ce soit, mais j'ai été intoxiqué inconscient au monoxyde de carbone. Et c'était pas volontaire, je n'ai pas de pensée suicidaire, au contraire, c'était pas volontaire, mais j'ai failli passer out. J'ai passé plusieurs journées sous oxygène. Ce fut une expérience assez chiante, honnêtement. Puis, tout le monde de mon entourage se posait des questions. Ouais, Frank a de l'air correct, tout est effectivement correct. Mais c'est après, par la suite, qu'il y a plein d'affaires qui se sont mélangées, torturées dans mon cerveau. Puis j'ai réalisé peut-être 2 mois plus tard que j'avais passé à ça, de passer out. Ça m'a fait réfléchir. J'ai mis 75 détecteurs de monoxyde de carbone dans mon truck. Là, je l'ai mis 2. Mais ça m'a fait vraiment réfléchir cet événement-là. Sinon, ben, pour ce qui est du reste en 2022, ben, j'ai fait moins de voyages attrayants, mais des voyages payants, ça c'est sûr et certain. Mais je ne mentirais pas que ça manque énormément d'aller à l'autre bout du monde. Honnêtement, je suis dans mes dernières années là, officielles là, de trucking loin, là, parce que je ne ferais pas ça jusqu'à 60 ans. Mais je dirais là, les 5 prochaines années, c'est comme le final countdown. Là. Après ça, on verra. Mais il faudrait que j'aille beaucoup plus loin là, parce que là, je suis en train de virer fou. Tu sais, j'ai eu des paysages incroyables, des conditions où tu sais, écoutez, là on est quoi aujourd'hui? On est le 30 décembre 2022. Il y a eu là, quelques jours, là, une semaine, la supposée tempête du siècle. Moi je l'ai vécu, c'est pas la tempête du siècle, mais c'était toute une tempête, du moins dans le secteur où j'étais. Alors, je vous explique, on était mercredi soir, jeudi matin, j'étais dans le Midwest, j'étais dans le coin, dans le Tennessee, à Ashland City, puis je revenais, donc à Montréal, puis, bon, ben j'étais sur la 75, puis il a commencé à mouiller en Ohio, mais pleuvoir là, avec des risques de grêle, sauf qu'il faisait à peu près 5 à 6 degrés dehors. 5 à 6 degrés, de la pluie, j'étais très à l'aise de conduire, je me suis rendu aux douanes à Windsor, j'ai traversé le Blue Water Bridge, non, c'est pas vrai, l'Ambassador Bridge, pardon. Et là, je me suis retrouvé sur la 401, qui, entre Windsor et London, il y a comme 74 microclimats,
Et entre London et Woodstock, et puis Cambridge aussi, puis plus loin également, Port Hope, puis tout. En fait, la 401, c'est fucked up, on va le dire de même. Mais il faisait encore 5, 6 degrés, 7 degrés. Il mouillait à Sio, c'était la grosse pluie. Mais là, je voyais la température baisser 7, 6, 5, 4. J'ai dit, il n'y a rien qui presse. On est le 22 décembre, 23, 22. Je voulais revenir le 24 chez moi, mais je ne suis pas revenu. Et là, je me suis dit, bon, on va se calmer, puis on va arrêter. Fait que je me suis arrêté au Flying G à London. Il y avait de la place en masse. J'ai stationné mon truck le 22 au soir. Quand je me suis réveillé vendredi dernier, le 23 au matin, il y avait de la glace, de la grosse neige et de la glace. Il y avait beaucoup de glace, énormément de glace. Je ne sais pas si je vous ai dit qu'il y avait de la glace. C'était une patinoire olympique. J'étais très, très satisfait, très content d'être arrêté, honnêtement. Je me suis dit, on arrête tout ça. De toute façon, il y avait, où je travaille, ordre d'arrêter par la direction, puis c'est tout à fait normal et même très rassurant quand que vos employeurs s'occupent de vous à ce point-là. Alors, j'ai arrêté, j'ai passé la journée au Flying G et par la suite, bon, ben, je me suis couché le 23 au soir, je me réveille le 24 en haut matin et là, le ciel est bleu, la mer est calme et il fait beau. Ce n'était qu'illusoire, vraiment ce n'était qu'illusoire. J'ai embarqué dans mon camion, j'ai regardé sur Ontario 511 qui c'était de la merde, ça ne marchait pas, c'était tout croche, il y avait sûrement trop de monde qui allait en même temps. Et on signalait, puis il y avait eu un carambolage monstre entre Chatham puis London. Moi j'étais après, donc en allant vers l'est, en allant vers le Québec, au kilomètre 189. Alors là je vois que la partie entre en tout cas l'avenue où j'étais, où le Flying G, en allant vers l'est, c'était ouvert. Alors je me suis dit, on va prendre la route. Ontario 511 n'était pas clair à ce moment-là. Alors je quitte, pour ceux qui connaissent, le Flying G. Et j'arrive pour prendre la 401 et elle est fermée. J'ai ouvert mon log électronique. Alors je me suis dit, on va s'amuser un peu. Alors j'ai continué dans London pour aller prendre un chemin qui était déneigé. Et j'ai contourné la 401 jusqu'à Woodstock. Et à Woodstock, je me suis rendu, j'ai pris partie de la 401 pour ressortir, pour aller à Guelph et aller dans le fin fond du Nord. Alors là, j'arrive dans un village et l'entrée pour le village est fermée. J'ai mon stock et là, l'OPP vient me voir, me demande mon poids, pas le mien, celui du truck, et me dit, OK, on t'escorte jusque dans le village, tu peux passer. Mais il y avait des bonnes bourrasques de vent, je vous confirme, mais ça allait super bien. Je me suis rendu dans le village où j'étais, j'ai livré, fait un ramassé une autre, ben j'ai livré, c'était un switch de trailer, là, donc on en laisse un, on en ramasse un autre. Là, la police n'est plus là, j'ai dû prendre un autre chemin pour arriver sur la 410 par la 9, peu importe, et la route est fermée. Donc, on virait de bord, passe par un domaine résidentiel, pas le choix, je peux pas reculer sur un boulevard. Arrive devant le chemin que je dois prendre de sortie du village, il est barré. L'OPP vient me voir encore, combien tu pèses? Il dit, t'es pas trop pesant, mais suis-nous. Donc la police m'a escorté jusque dans le coin de Guelph, où j'ai pu prendre la 6 pour me rendre sur la 401. Et là. C'est arrivé la semaine dernière. Je venais juste d'entrer dans l'autobus puis je vois une belle place libre. Une place toute seule avec une fenêtre. Je perds pas une seconde puis je pars à courir pour pas me la faire piquer. Oh, c'est là que le chauffeur m'accroche par le coin du sac. Il me dit, hey, le jeune, l'autobus, c'est pas gratis. Je dis, hey, les lunettes, tu vois bien que c'est un gâteau. Joe Louis, ça vous embouche un coin. Voici un nouveau numéro qui fera tourner les têtes. La voiture la plus vendue au Québec va révolutionner le plaisir de la conduite une fois de plus. Vos honorables Honda sont fiers de vous présenter la toute nouvelle Civic 92 modèle 4 portes, entièrement redessinée. Tout ce que vous souhaitiez, confort, économie d'essence, performance et style à un prix plus qu'abordable. Mais après tout, c'est normal, c'est une Honda. Ça allait vraiment bien. 401 entre Woodstock, Cambridge, Mississauga et Toronto, ça allait bien. Je parle avec TG Trucker, collègue, donc qui a son compte YouTube et sa page Facebook. Il me dit, moi, je t'ai arrêté à Port Hope, au Ultramar, au Pipeline. Moi, j'étais à ce moment-là au Starbucks, au en route Port Hope. Puis, il faisait beau. Ben, j'ai dit, moi, je vais continuer.
Alors, je continue et 15 minutes après, ça commence. Et là, quand je parlais de microclimat tantôt, j'en suis dans un autre et là, on ne voit plus rien. J'étais à 30 km/h avec d'autres personnes, on se suit un arrière de l'autre. Moi, je ne niaise pas avec ça, honnêtement. Et là, tous ceux qui nous dépassent comme des débiles, 5 minutes après, dans le champ, un auto, un camion, un pick-up, un école en ligne, tout est dans le champ. Dès que les gens dépassaient la limite raisonnable, ça partait. Reçoit un message comme les alertes Amber nous disant « Faites attention, il y a une Civic noire, je pense, probablement en panne ou abandonnée en plein milieu d'autoroute, en telle place. » La Civic, je l'ai vue, elle était rendue dans votre gauche. Croyez-moi pas, elle était vide, elle était abandonnée depuis peut-être la veille et elle bougeait tout seule à cause du vent. À ce point-là, quand je l'ai vue, elle était dans votre gauche, elle commençait à s'encastrer pour le meilleur dans le médium, mais je l'ai vu, était vraiment bougé à cause du vent. Et là, je suis arrêté à Trenton pour la nuit, stationné comme tout le monde, comme on pouvait, autoroute fermée. Et j'aurais fait, donc, si on compte de Windsor à Trois-Rivières, moins de 1000 km, peut-être approximatif, 900 quelque chose, non, peut-être, ouais, presque 1000 km. 22, 23, 24, 25, en 4 jours. Il y a 1000 km en 4 jours, peut-être aux mathématiques, c'est pas beaucoup. Je suis revenu en un morceau, je suis revenu en pleine santé, puis c'est le métier que j'ai choisi. Si j'avais été médecin, je serais probablement chez nous. Ou peut-être j'aurais un pager, puis il m'aurait dit « va opérer à cœur ouvert ». Mais j'ai choisi un métier sur la route, donc ça fait partie des aléas de la vie. On n'a pas le choix de vivre avec ça. Ça me rappelle une tempête, ma première tempête de neige en 2012. Canada Cartage, Manu Cam, mon chum Carl qui m'envoie. Un de mes premiers voyages seul et non accompagné à Middleton dans le Delaware avec une remorque vide. On allait chercher une remorque pleine de batteries dans ce coin-là. Je pense chez Interstate, je ne me souviens plus. Et j'ai goûté à ma première tempête en tant que jeuneau, un jeune camionneur d'environ 34-35 ans, je ne me souviens plus. Près de Baltimore, New York. Donc, je pense à un rest area qui est là, après Albany. Et c'est la première fois que j'affrontais une tempête de neige. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Mon chandail était mouillé total. C'était hallucinant quand on commence, là. Wow! Ça a été mon souvenir d'une tempête de neige assez incroyable. L'autre souvenir de tempête de neige que j'ai marquant dans ma vie, il y en a un, j'avais peut-être 5 ans, 4 ans, 5 ans, à Chersey, dans les Laurentides, la Naudière. On avait fait des tonneaux avec mon père et ma mère. Par rapport, mais ça, fallait je le dire, ça fait longtemps, hein, ça fait une quarantaine d'années de ça. Sinon, je me souviens plus, c'était en 2017, 2018, 2016, entre 2016, 2017, 2018, j'étais, si je me souviens bien, à Rawlins, dans le Wyoming, Flying G, la 80 qui ferme, mais là, quand ça ferme, ça ferme. Et j'ai passé 3 jours dans le stationnement aux pompes, dans un Flying G. On a vidé le Flying G, tout le monde. Il ne restait plus rien. Ça, ça avait été mémorable. Pas beaucoup d'Internet. Dans mon cas, c'est la mort totale. Mais j'avais un Nintendo. Donc, j'avais joué pendant 3 jours à tous les jeux possibles que j'avais Nintendo. J'avais un peu d'Internet, ouais. J'avais un peu d'Internet, je me souviens. Et j'avais la télévision, heureusement. Et ça avait été quand même mémorable. Puis des gens qui étaient venus nous porter à manger, ça avait été super le fun. Puis ouais, ça, c'est un beau souvenir. J'essaie de me rappeler de tout, là, c'est pas évident, mais ça, c'est un des souvenirs de tempête que j'ai eu. Y a-t-il un autre? Il me semble en 2013, avec Raymond, un co-driver que j'avais eu avec Transwest, on y avait goûté solide, ça à 40 dans le coin de l'Oklahoma, mais c'était un peu vague, mais je me rappelle qu'on avait pensé voir une tornade, ça n'en était pas une, mais ça avait été assez mémorable, mai 2013. En Oklahoma, 2012, je pense que c'est 2013, je me souviens plus, ça fait longtemps, mais ça avait été mémorable. Les cases de sécurité, on aura tout vu. Je pense pas que c'est légal, ben peut-être, je sais pas.
Toute histoire de la Iowa 80 depuis 1964, c'est mythique, c'était tout petit au début. C'est plus de 900 places de stationnement, puis je dis plus, parce que plus de 900 places, ben c'est presque 1000 places de stationnement à la grandeur ici. C'est plus de 5000 visiteurs par jour, qu'on parle de camionneurs ou des gens en voiture. Et c'est mythique pour vrai, je vous le dis, mais tout coûte cher. Je me suis calmé sur les achats. J'en ai parlé dans un live Facebook que j'ai fait sur la page On The Road. Je vais dépenser partout depuis les 4 dernières années aux États-Unis. Moi et ma femme, on s'est procuré un nouveau condo, puis on a été obligé de mettre un paquet d'affaires dans des boîtes. Le temps son temps qu'on n'aura pas fait bâtir notre maison et que j'aurai un man cave pour moi, je pourrais mettre toutes mes affaires pour l'instant. J'ai mis un embargo sur les achats aux États-Unis parce qu'on n'a plus de place pour mettre ça nulle part. Mais j'ai acheté des trucs qui... Je vous dirais que à quasiment 45 ans, à l'aube de la cinquantaine, peut-être je devrais consulter. Il y en a qui vont jouer au golf. Moi, j'achetais des jouets. Dans un des épisodes précédents, je pense dans des vlogs, pas des épisodes, il va y avoir une collision. Non. J'avais filmé, fait visiter le musée du camionnage de l'Iowa 80, le Trucking Museum, qui est en face là. On va aller voir ça. Oh, ça se klaxonne après. Ils sont fâchés. Eh ben. Du chrome en masse. Du chrome. Que du chrome. Ils ont envolé du chrome des lumières. Si on descend. Du chrome. Vos shifter knobs, regardez ça, ils sont hot. Moi, c'est les ornements pour vos hoods, là. Wow. L'Interstate 80 qui part du New Jersey pour se rendre jusqu'à San Francisco. Ce camion trailer-là à l'intérieur de la Iowa 80 va faire pas mal la route quand on part du New Jersey. Là, on a ici Washington, New York, toujours, Gallatin, rendu sur la 80. On approche près de Chicago. On continue sur la 80, State Line, Illinois, Iowa 80, ici, en Walcott. Poursuit notre route sur la 80 pour se rendre le plus loin possible jusqu'en Californie. Le Golden Gate de San Francisco. Si on y va avec un peu d'histoire, si je le traduis, ça dit que l'Iowa 80 est le plus grand truck stop au monde avec... Le plus de clients servis chaque jour, il manque 5000. Avec le plus de stationnement pour camions, plus de 900. Et sur un terrain de plus de 85 acres qui est développé. Ça fait qu'il y a une superficie du commerce de 130 000 pieds carrés. Plus de 50 000 items en vente. Ici, depuis 1979, on célèbre les camionneurs, le camionnage avec le Walcott Trucker Jamboree. On continue, puis fun fact. Bon, on utilise peu d'énergie. L'Iowa 80 n'a jamais fermé depuis 1964. Comme vous tantôt, chaque jeu depuis 1979, on célèbre avec le Walcott Trucker Jamboree. L'Interstate 80, c'est la deuxième plus grande Interstate autoroute aux États-Unis. 2900 milles du New Jersey à San Francisco, en Californie. On la voit ici, là.
part de là, nous on est ici. Et ça continue en ouest jusqu'à San Francisco. De 5000 personnes à chaque jour. On continue notre marche. The Star! Directly from Quebec, Canada. Yeah. OK. Termine l'épisode 25 avec un petit souvenir qui me rappelle mes débuts de carrière. C'est ça. Petit livre de poche, Truck Stop Guide, édition 32. Ça là, je m'en sers moins, honnêtement, parce que vient avec le temps qu'on sait à peu près où on va, on sait où on va, on sait où qu'on peut arrêter ou pas arrêter, puis on connaît pas mal la route. Mais c'est encore pratique pour bien des trucs. Un envie de pipi. Deux, un envie d'autre chose. Trois, aller fueler, il nous en manque bientôt. 4. Aller se coucher. 5. Prendre son 30 minutes de break. Le reste, ça vous appartient. Mais des fois, on ne sait pas trop où arrêter, où on est en combien de temps. Ça, c'est idéal. OK? Regardez bien ça. En ce moment, on est, ben c'est ça, on est en Iowa. Puis on est sur la 80. Alors, dans le livre, j'arrive ici, samedi, Iowa, Interstate 80. Elle mesure, en fond, la longueur, c'est 301 000. Et ici, ce sont tous les millages qui sont des sorties de route en même temps où se trouve donc un truck stop, un rest area. Alors, mettons, on prend l'exemple à Council Bluff, qui est au State Line du Nebraska. À la sortie 1B, se trouve un pilot LW, large, et puis large, c'est ça, donc c'est un grand. Et le W, si je me souviens bien, Avec une balance. Weight scale. Alors si on retourne en Iowa. Donc ici. Alors ça me dit que c'est un grand truck stop avec une balance. R pour le Sub Brother, c'est un petit garage de maintenance. Ici, admettons, à Des Moines, sortie 126, le pilot. C'est un médium stationnement avec une balance et un grand garage. Donc vous avez des réparations à faire. Nous, présentement, ici, je tourne à Walcott. OTA, donc c'est un large rest area, on en a déjà parlé, hein, on s'entend. Donc, j'ai perdu mon saison. C'est un large avec une balance et un très gros garage, donc on a ça ici. Le pilot qui est de l'autre côté de la rue, c'est un petit stationnement. Et ici en face, donc on a un large stationnement au pilot avec un balance. C'est tous les États américains et en plus, ben, au Canada, vous avez à jour. Donc, toutes les places que vous pouvez arrêter, c'est le Québec qui m'intrigue, en Ontario, et en Ontario, 401. De Windsor, le Husky, Large West, on pourrait dire Magané aussi, M pour Magané. On les a toutes ici. Voilà. Et payant, c'est un signe de dollar. J'ai vu ça où? Ici, le truck tente terminal à Milton. Je ne connais pas. Payant. Termine ça avec la petite page qui reste de rien du tout. C'est juste ça, le chapitre sur le Québec, page 150, la Transcanadienne, la 20, donc 115, Mont-Saint-Hilaire, le gaz au bord, Saint-Liboire, Sainte-Hélène, Bon Conseil, et les Harder Highway. Voilà. Ça serait ça, au Québec. Ça serait ça. Alors, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube. Je suis passé ici à plusieurs occasions. Mais là, je voulais vous parler un peu plus dans les décors de l'Iowa 80. J'espère que ça vous a plu, cet épisode 25 de mon podcast. Ne manquez pas mes vlogs, mes podcasts. YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. On est partout. TikTok aussi, quand ça nous tente. Bref, merci de nous suivre. J'oubliais l'essentiel. Bonne année 2023, tout le monde. Bonne année.